2, verset 4, la Bible dit: mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, donc Dieu peut avoir des choses contre les gens. Il a quelque chose contre l'église, quelque chose contre les chrétiens, quelque chose contre les jeunes chrétiens. Il dit: ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Quand vous lisez ce verset, tu as abandonné ton premier amour. Il y a des jeunes qui ne savent pas pourquoi on s'est aimé Dieu. Et puis, ils n'ont même pas duré, ils n'aiment plus Dieu. Attendez, quand vous me voyez, parce que je suis plus zélé que certains jeunes. Amen! Il dit que j'ai contre toi le fait que tu as abandonné. Pourquoi ça signifie? Lisons depuis les premiers versets, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et qui allonge l'église, les fêtes, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il s'agit de Jésus lui-même. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu peux croire que tu es encore avec Dieu dans la mouvance de Dieu parce que tu as des œuvres que tu as eu à faire. Je sais que tu es toujours chrétien. Tu persévères, tu es toujours chrétien. Et que tu ne peux même pas supporter les païens. Oui, ça je sais, il n'y a pas de problème. Tu es toujours un enfant de Dieu, tu es toujours un chrétien. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Que tu n'es pas parmi les menteurs. Que tu as de la persévérance. Oui, tes œuvres sont là, il n'y a pas de problème. Tu as même souffert à cause de Jésus. Et c'est ça qui te fait croire que tu es toujours zélé. Non, tu n'es plus zélé. Ton premier amour est fini. Tes œuvres sont toujours là. Tu persévères toujours dans la foi. Tu es toujours un jeune chrétien. Mais ta soif pour Jésus, ta détermination, le sel qui t'a amené à servir Dieu, a disparu. Non, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, papa. Frère, quand je t'ai rencontré dans Vélaire, non, frère, t'as changé. Tu es toujours chrétien. Tes œuvres sont toujours là. Et tu persévères dans le ministère. Il n'y a pas de problème. Mais tu as abandonné ton premier amour. Ta première manière d'aimer. Tu as abandonné ta première manière d'aimer. Parce qu'on peut aimer timidement. On peut aimer lentement. On peut aimer en étant maintenant à distance. Amen. Comme ce n'était pas au début. Elle dit, vous sentez que non. Là, la personne vous embrasse. La personne à côté de vous. Et puis, moi, la personne dit, je t'aime ça maintenant. Tu sais quoi? À cause de la manière dont on a voulu vous voir, ça fait moi. Je vous aime, mais. L'amour. Elle dit, on est maintenant à distance. Il est ce que j'ai. C'est Jésus qui parle. Moi, à l'âge que j'ai, je fais plus que quand j'étais jeune. Amen!